Bonjour. Alors ce matin on visite la petite ville de Tamisari, c'est là où on a dormi hier soir en fait. Et juste après on va direction Anko, qui est le point le plus au sud de la Finlande. Le train le plus long du monde. 4 heures plus tard. Ah! Youhou! En venant en Finlande, on ne s'attendait pas à ce genre de paysage ni ce genre de temps en fait. On est bien loin du pays du Père Noël là. Franchement, il manque plus que les cigales et c'est la copie conforme du sud de la France. Les touristes en moi. Là on a pris des fat bikes pour aller dans une réserve naturelle pour aller manger au bout de la péninsule dans un restaurant qui apparemment est hyper vieux et hyper bon. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié de mettre un short aujourd'hui, j'ai mis une jupe. Bon, en fait j'étais pas censée pédaler hein. Mais du coup je me suis pas changée. Et voilà, ma jupe est toute abîmée. Le temps a changé, alors le breton, tu trouves pas que ça ressemble un peu à la Bretagne maintenant qu'il pleut? Ha 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 ha. Mais c'est vrai que ça ressemble à la Bretagne. C'est dans une rivière. On faisait du vélo tranquillement et tout d'un coup il s'est mis à pleuvoir un torrent. Mais c'est drôle parce qu'en Finlande ils disent il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais équipements. Du coup je comprends l'utilité des bottes. Alors la pluie s'est arrêtée et moi je me suis bien évidemment changée hein. Et là on s'apprête à aller faire du kayak de mer. Ah, c'est quoi? Une tente sauna. Une tente sauna. Tente qui fait sauna. En vrai, comme ça, on peut l'amener partout, quoi. Je sais pas comment ça marche à l'intérieur, mais on verra tout à l'heure. Ça sera parfait pour se réchauffer après le kayak. T'es confiante? On va dire que je suis moyennement confiante. Parce que j'ai jamais fait de kayak de mer et je ne sais pas très bien nager, donc si je tombe à l'eau... Tout habillé. Ok, let's go. Let's go. Ok. Have you watched Formula 1? That's how you get into the car. Tu t'assois juste. Yeah. Ok. Yeah. Alors? En fait, c'est super facile. On s'est arrêté pour pouvoir observer les oiseaux de mer. Et juste là, en fait, devant nous, il y a un petit groupe d'oiseaux. Donc, ce sont des oiseaux qu'ils appellent kindergarten. C'est comme la maternelle, en fait. Les mamans sont tout autour des petits oisillons. C'est pour pouvoir, en fait, les protéger contre les aigles de mer. Voilà. They're attacking, they're attacking. Those are attacking when they have children and you paddle close to them. They come diving and then they shit on your head. Oh my, really? That's the way how they scare the enemies away. They just shitting on the head. Yes, it's like a bomb playing boom, 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 boom. I should try that. Yeah, like this. Oh
Go ahead. Do it. Do it. Do it. Do it. There's a warm sauna waiting for you. Welcome. Je suis pas sûr d'avoir envie d'y aller. Allez dans l'eau. Non. Si. En fait, le sauna, on y retourne autant de fois qu'on veut et à chaque fois qu'on y va, hop, on retourne dans l'eau, on retourne au sauna, on retourne dans l'eau, on retourne au sauna et ça peut durer des heures comme ça. On voit à quel point il fait chaud dedans. Voilà, on voit toute la fumée qui se dégage. You feel alive now. Ce soir, c'est barbecue. Et voilà, notre journée s'arrête ici. Si on nous avait dit il y a deux heures qu'on aurait pu faire du kayak, de la tente sauna et que maintenant on ferait un barbecue sur la plage, ouais. Je pense qu'on aurait signé tout de suite. Et franchement, c'était une excellente journée. À demain.